Eh bien, salut tout le monde, c'est Ryder, j'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode de Dans la peau de Karl Anthony Towns, cette fois-ci le pivot, voilà, gros shooter extérieur, joueur de poste, voilà, Towns il sait un peu tout faire, donc pivot très complet, on suit les tactiques comme d'habitude et j'espère que tout se passera bien. Qui va gagner entre deux? Pour Gazan ou moi? C'est ce qu'on va voir hein, de toute façon. Allez, je vais la voir. Eh ben non, t'es perdu. Allez, il est manqué ce tir de DeRozan. Et on va pouvoir partir devant avec Wiggins. Oh, je suis tout seul. Towns pour le premier shoot. Ah, j'aurais dû tester le timing avant le match. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que sur Zach LaVine, j'avais tenté tester son shoot juste avant le match. Mais j'ai oublié de le faire avec Towns. Donc, tant pis. On va s'adapter au fil du match. C'est un punch. Punch, sortie, tactique qui a pour but de servir au poste. La finalité hein, d'un punch. Voilà. Allez, tente, son pouce, son pouce. Oh, il est long son timing. Oh, je l'ai mis, mais. Qu'est-ce qu'il est long à lâcher. Oh là là, j'ai l'impression que j'ai le temps de boire un coup pendant que je fais le timing, quoi. Avec la. Oh là, mon écran est mal placé, c'est ma faute. Allez, on est passé avec tente. N1 sur cette faute. De Pau Gasol. Allez, Towns, qui commence bien ce match. Ah, il est tous ses timings sont longs, hein. Oh, la vache, incroyable. Oh là là, c'est un truc de ouf. On est en mismatch ici, face à Rudy Gay. Et on va en profiter, voilà, avec ce drop step sur sa tête. Allez, on va aller au rebond, voilà, hop. Et on va la donner à Andrew Wiggins. Allez, on a un shoot ouvert, voilà. Oh là là, quel début de match avec Towns. Déjà à 8 points, on est sous takeover. Voilà, interception de Jeff Teague, on est en contre-attaque. On va la donner à Wiggins. Oui, super, on a fait le bon choix ici. La petite passe pour Wiggins. Allez, double screen ici. Avec moi et Tash Gibson. Oh, il part de l'autre côté. Le pick and pop. Oh, tellement dommage. Ah, c'était bien joué. On s'était retrouvé tout seul. Mais malheureusement, ce n'est pas rentré. Oh, la prise à deux. Covington à 3 points. Ben voilà. Mon prise à 2. La prise à 2, je l'ai vue, moi. Tant que Pau Gasol arrive. Oh oui. Oh là là. Quel intérêt. Oh non. Monsieur l'arbitre! Mais bougez de là! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que mon interception était parfaite. Pau Gasol n'était pas là. Je me suis dit, vas-y, prise à deux. Mais qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Ouais, mais après, c'est moi qui le fonce dedans, tu me diras. Ouais, bon. Allez, Marcus. Oh! Allez! On est revenu en défense. Heureusement, on a eu un peu de mal quand même. Allez, Jeff Teague. Devant. Oh oui! Allez, on est passé. Oh, on va obtenir cette faute. C'est bien joué. Deux petits lancers francs. Bon, c'est vrai qu'ils sont lents, ces lancers francs. Il faut que j'y pense. Voilà. Timing est plutôt bien réussi cette fois-ci. Que tout à l'heure, laisse tomber, quoi. Ah, voilà, un petit timing vert. Ça fait du bien. Pick and pop. Avec Towns. Bah voilà. Bon, j'ai un peu de mal avec ces timings, hein, je vous l'avoue, c'est pas facile. Attention à la Marcus. Le faux. Oh, je crois qu'elle est partie en fade. T'as les protections du rebond. Je me fous devant la Marcus parce qu'il n'a pas été très bien protégé par Taj Gibson. Donc c'est moi qui suis allé le box out. Allez, l'écran. Il en a rien à foutre. Je suis à mi-distance. Oh, c'est parfait. Oh oui, c'est parfait. 7 secondes. Écran, vite. Oh, il est tellement mal posé, mon écran. Oh oui. Oui. Bing. Oh oui. Oh là là, la gestion. La gestion de l'horloge. Le petit pick and pop dans le corner. Quel match pour l'instant de la part de Karl Anthony Towns. The Cat. The Big Cat.
Allez, on continue. Oh, ça va être dur, ça, Patty Mills. Et on est au rebond. Sinon, heureusement qu'on va au rebond, hein. Sinon, Aldridge, il en aurait eu plusieurs. Il n'y a pas de système là. Ah bah tiens, il y en a un. En pop encore, hein. Eh bah ouais. Eh bah ouais, il nous laisse tout seul, Pogazol. Il flotte trop. Ah, c'est un 2, c'est dommage. Mais bon, c'était quasiment un 3. Mais il flotte beaucoup trop, Pogazol. Hein. Ils ont du mal à défendre les pick and pop là, les adversaires. Mais je crois que l'IA en général a beaucoup de mal à défendre le pick and pop. Ah, je la connais bien, ce système. Alors, ce système, en fait, il va refaire sortir quelqu'un en tête de raquette. Regardez. Et s'il est libre, il shoot. Mais il est pas libre. Encore un pop. Et faut pas hésiter à prendre ses tirs. On est ouvert, on les prend, quoi. Tous les jours, on a 86 à 3 points avec Karl Anthony Towns. Même si on les loupe, il faut pas perdre confiance. Faut prendre ses tirs. Attention, prise à 2. Il est tout seul, Covington, à 3 points. Et ça va rentrer! On essaye de se mettre au rebond pour cette fin de possession. On est plutôt bien placé. Le rebond offensif, on ressort. Hein. On peut pas vraiment remonter. Il y a beaucoup trop de monde dans la raquette. 3 secondes de Taj Gibson. Quel dommage. L'écran... Ah merde, je l'ai posé trop tôt. Oh mais je suis en pop. Oh, ils m'ont... Oh oui, mais ah, vous me bouliez. Allez, pop, hein. Pop. Oh là là, beaucoup. Oh là là, ça rentre, mais la passe, elle est un peu tard quand même. Hein. Et en plus, vu que le shoot de Tant c'est très lent, ben Pogazol a le temps quand même de me contester un minimum. Allez. Allez, en pop. Encore une fois. Ah ouais, mais il arrive en retard, Pogazol. C'est même plus que de la faible défense. C'est de la ultra faible défense. DeRozan, il a plus le temps, c'est contesté. Et on va se placer au rebond. Double-double. Oh, la passe, elle dangereuse. Ah, ouais, mais merde, c'est pas. Ah, je pensais que Karl Anthony Towns ne doit pas avoir lanceur de contre-attaque. Parce que là, j'ai envoyé un lanceur de saucisson sec. C'est parti dans les tribunes. En pop, en pop. Encore une fois. Encore une fois. Malheureusement, je trouve que ça devient un peu. Voilà, en vrai, tu te fais avoir une fois, allez, deux fois, trois fois, grand max. Mais c'est dommage, c'est parce que ce qui est dommage là, c'est que l'IA ne s'adapte pas du tout au pick and pop, quoi. C'est-à-dire que c'est pas 9 fois sur 10 qu'elle va pas défendre le pick and pop, c'est 10 fois sur 10. Et ça, c'est problématique, c'est dommage, parce que ça gâche un petit peu le réalisme, etc. Mais bon, vous savez que les développeurs de 2K s'en préoccupent du offline, hein, on est d'accord. Ah non, ils en ont rien à foutre. Oh, la prise à 2, mais on est passé avec le gros dunk de Karl Anthony Towns. Oh, celui-là. Oh là, la main tout en bas et... Il a arraché le cercle. Quand même, mais tu vois. Alors, je vous explique, regardez. C'est ce que j'expliquais. Alors, j'ai peut-être coupé au montage, j'en sais rien. Mais ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que des fois, on veut poser un écran à un endroit précis, mais tu peux pas. Tu peux pas, pourquoi? Parce que tu veux faire un seul pas et ton joueur, regarde, il en fait au moins 2. Regardez, regardez. 1, 2, il en fait même 3, je sais pas, mais là je veux juste bouger d'un centimètre, mais à chaque fois, il bouge de beaucoup plus, en fait. Le jeu est trop magnétisé sur les déplacements, et du coup, ce qui fait que c'est très difficile de parfois poser les écrans pile poil comme on le souhaite, quoi. Oh, il a sauté. Oh là là. Oh, bah tiens. Juste après la pause, retiré. Un petit par-dessous sur notre cher ami espagnol, Pogazol. Allez, l'écran. Encore en pop, encore en pop. On a pris ses appuis. Et bang! Mais bon. Voilà, l'IA ne s'adapte pas. Donc, ça gâche un peu le réalisme, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Attention, prise à 2. Hein. Allez. Fade away, timing vert. Oh, tiens, ça fait du bien. Un petit timing vert, comme ça, pour la fin de match.
Encore un petit pop à mi-distance, et bah ouais. Hé, le pick and pop, c'est pas qu'à 3 points. Encore sous tes covers, c'est la quatrième fois que nous sommes sous tes covers et on n'a pas pris un seul tir sous tes covers, c'est ça le pire. 4 fois qu'on est sous tes covers et on n'a pas eu l'occasion de prendre un tir sous tes covers. Oh là, oh la grosse défense, oui la contre-attaque. Je suis là, je suis là. Allez, on va prendre un tir sous tes covers. Voilà. Ouais, en plus c'est pas très beau mais bon c'est pas grave. 42 points, 1 minute 41, on a défoncé les Spurs. Ah, je suis tout seul, hein. Je suis tout seul. Je prends mon temps. Et ah, c'est manqué. C'est dommage. Voilà, belle prise à deux. Voilà. Ah ouais, Aldridge. Fallait ouvrir les yeux, Aldridge. Eh oui. Bon, elle sert à rien, en vrai, parce qu'on a 25 points d'avance. Il reste 12 secondes. Mais bon, c'est pour le principe, tu vois. C'est pour dire, eh non, monsieur. On joue jusqu'au bout, nous, ici. Bon, allez, 9 secondes. Patty Mills. Le 3 points plus la faute. Et on déclare forfait. Et il gagne. Voilà. Bon, allez, c'est terminé. 106 à 80. Match. Comment décrire ce match? Bien et pas bien en même temps. Aucune adaptation du pick and pop de la part de l'intelligence artificielle. Et du coup, ça gâche un petit peu la chose, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Bien entendu, ce que vous avez pensé de ce match, si vous avez apprécié ou non. 17 sur 25 au tir, 6 sur 10 à 3 points. Donc sur les 25 tirs pris, je crois qu'il y en a 3. Bon, il y en a 2 qui ont été mis en faible défense. Des shoots, sinon il y a 3 tirs contestés. Le reste sont des shoots ouverts manqués. Donc voilà, performance excellente. DeRozan qui a fait un bon match côté Spurs. Aldridge, 5 sur 7. Mais au final, on a tellement... Ils n'ont pas défendu quoi sur nous, donc voilà où est le problème de l'équipe des Spurs sur ce match. Saric, 7 sur 9 aussi, voilà, hein, l'équipe a suivi derrière. Hein. Tolliver, 4 sur 4, bon, Wiggins a eu un peu de mal, Derrick Rose aussi, Jeff Teague aussi au final, mais bon, on a fait le taf. J'espère que vous avez quand même apprécié cet épisode, malgré ces petits soucis de l'IA. Et nous, on se retrouve bientôt pour un autre épisode de Dans la peau. On enchaîne les vidéos, ça reprend les vidéos sur la chaîne YouTube. Et j'espère que vous kiffez. A bientôt tout le monde, tchuss.